Yop, yop tout le monde! Alors, on se retrouve assez tardivement, tout simplement parce qu'en fait, la QE, donc la nouvelle QE vient de commencer. Donc, comme vous pouvez le constater, hein, je viens juste de faire la mise à jour sur la tablette, même si elle était disponible depuis quelques jours, je ne l'avais pas encore faite. Et donc voilà, j'ai pas encore commencé, j'ai pas encore touché, mais voilà, elle est disponible. Et suite à la nouvelle mise à jour, il y a évidemment des choses qui ont été changées, des choses qui ont été rajoutées, enfin voilà, comme d'habitude lors des mises à jour. Et du coup, il y a pas mal de choses qui ont été ajoutées, qui ont été, ou comment dire, qui sont nouvelles. Et on m'a déjà demandé, donc en privé, de faire, enfin, des explications. Donc plutôt que de faire des explications en privé à plusieurs personnes, voilà, j'ai décidé de faire la vidéo. Et donc pour checker tout ça, on va tout simplement regarder les messages pour voir ce qui nous en disent. Donc déjà, il y a une nouvelle quête, donc Gwenpool. C'est-à-dire que nouvelle quête, c'est qu'en fait, regardez, normalement il y a la quête d'événements, normale, celle qui est disponible pendant toujours environ 30 jours, et qu'on peut faire dans tous les modes. Bon, cette fois-ci, on peut faire maître parce qu'on a eu la clé gratuitement, mais normalement, voilà, on doit faire héroïque pour débloquer maître. Et il y a cet événement, donc Gwenpool va au cinéma avec un petit bug, parce que là il y a marqué débutant, mais je suppose que c'est incollectable. Parce que là il y a maître et là il y a un autre truc. Donc bon, je suppose que c'est incollectable. Mais voilà, incollectable, maître, héroïque, normal et débutant. Donc cette quête, qu'est-ce qu'elle rajoute? C'est exactement comme l'autre, je dirais. C'est-à-dire que c'est une quête d'événements avec des chapitres, un peu comme le mode histoire. Le seul truc, c'est que pendant 4 semaines, il y aura cette quête. Enfin, il y aura des choses qui vont être ajoutées chaque semaine. Vous voyez que là en haut, il y a marqué semaine 1. Et ici, il y a marqué semaine 2, mais c'est pas disponible. Parce que je suppose que ça va être disponible après. Donc en fait, je viens de recevoir le message que je n'ai pas lu, mais c'était juste pour vous montrer où c'était. Donc voilà, Gwenpool va au cinéma. Dans un monde, donc c'est pour fêter les 10 ans. Patati patata. Alors, ces quêtes seront plus petites que d'habitude et n'en compteront qu'une poignée de combats à remporter pour gagner tes récompenses. Cependant, dans chaque quête, il y aura un chemin avec un portail de personnages qu'on ne peut franchir qu'avec un certain champion. De n'importe quelle rareté. Chaque portail sera sur un thème du film représenté par la quête. Par exemple, tu voudras un champion Iron Man pour la quête Iron Man. Alors, je lis rapidement. Ok. Donc voilà, comme je le disais, chaque semaine, une nouvelle quête va s'ajouter à la précédente, mais la précédente, vous pourrez toujours la faire. Donc si vous pensez ne devoir rusher, non. En semaine 4, vous pourrez toujours faire celle de la semaine 1, 2 et 3. Dans chaque quête, il y aura quelques combats à faire du niveau de difficulté de la quête. Donc si c'est maître, attendez-vous pas à pouvoir y aller avec des champions de 2000 d'indice, si vraiment vous avez du skill, et etc. Et dans chaque quête, il y aura un portail qui nécessitera, un peu comme dans l'histoire, des personnages dans votre équipe. Donc même si c'est des personnages que vous avez en 2 et 3 étoiles parce que vous ne les avez pas en 4 ou 5 étoiles, c'est pas grave. En gros, il faudra toujours en fait avoir un personnage. Donc le plus simple, c'est d'aller dans la quête. Bon, je pense que le plus simple, ça va être de vous montrer. Si on rentre dans la quête Iron Man, on prend n'importe quelle team, on s'en fout. De toute façon, je vais la rage quitte. Voilà. Voilà, donc vous voyez que pour finir à 100%, il me faut Iron Man pour aller à gauche. Comme je ne l'ai actuellement pas dans ma team, je ne pourrais pas le finir à 100%. Donc il faudra que je revienne avec Iron Man dans ma team. Et ce sera partout pareil. Voilà. Donc voilà, après c'est une quête basique, hein, donc c'est tout simplement pour vous faire dépenser plus d'énergie, parce que plus il y a de quêtes en même temps, plus vous devez dépenser de l'énergie, plus il y a des chances que vous mettiez des unités. Voilà, Kabam est très fort là-dessus. Bref, après on peut aussi voir que c'est de l'énergie dépensée pour avoir des récompenses, mais bon, voilà. De toute façon, c'est des récompenses entre guillemets gratuites, donc on va pas se plaindre. Ensuite, guerre d'alliance de saison 2, bah Kabam, ils sont forts. Il nous rebalance le message de la saison 2. Parce qu'évidemment, c'est pour la saison 3. Mais bon, bref. Donc voilà, les gardes d'alliance, c'est reparti. Après le bug des iPhones, enfin d'Apple, ils avaient décalé la garde d'alliance de saison 3. Et donc c'est reparti pour la saison 3. Et non saison 2 comme ils disent. Mais bref. Donc ensuite, des cristaux à la une de héros. Donc pour avoir les héros là, si vous voulez. Mais enfin bon, ça, j'en parlerai pas. C'est des achats, c'est pas moi de vous dire.
Ensuite, ça va être, je pense, l'amélioration, bon, même si c'est qu'événementiel, donc ce ne sera pas pour l'éternité, la plus géniale que j'ai jamais vue. Dans les versus solo, donc les versus que l'on fait parfois donc pour gagner normalement des cristaux de versus, donc qui donnent, alors si je dis pas de bêtises, des objets type ISO ou sinon un signe de combat, bah, au lieu d'avoir ce cristal, du 8 août au 5 septembre, vous aurez un cristal de héros basique cinématique 2 étoiles pouvant contenir les persos qui sont là. Bon, je vais pas tous vous les lire, mais je vais plutôt vous dire les persos qui normalement, selon moi, de mémoire, ne sont pas basiques. Alors Civil War, normalement, je crois que c'est un premium. Donc Captain America, non, Hawkeye, Hulk, Iron Man. Donc Iron Man Infinity War, même si on l'a déjà eu avant. Iron Patriot aussi, je crois pas que ce soit un perso basique. Killmonger, c'est pas un perso basique. Loki, je crois que ça l'est. Mordo, ça l'est pas. Spider-Man, Amélioration Stark, ça l'est pas. Star-Lord, ça l'est. Thor Ragnarok, ça l'est pas. Ultron, ça l'est. War Machine, ça l'est. La Guêpe, ça l'est pas. Soldat d'hiver, Yellow Jacket et Yondu. Donc voilà, sauf erreur de ma part, il y a entre 7 et 10 persos qui sont premium, c'est-à-dire que vous ne pourrez jamais choper ailleurs, sauf si il y a des cristaux de comme ça qui ressortent ou si on cabane nous les offre. Donc voilà, je trouve que c'est hyper intéressant parce que s'il y a des arènes qui ne vous plaisent pas ou si vous avez tout simplement envie de farmer les cristaux 2 étoiles, bah vous y allez. Cependant, à savoir que si vous doublez un perso avec ces cristaux-là, vous ne choperez que, on va dire, l'éveil ou le doublage. Vous ne choperez pas l'ISO. Mais bon, si vous faites, je sais pas, une cinquantaine de versus, vous aurez déjà une cinquantaine de cristaux. Ça fait une cinquantaine de up de perso en plus. Donc c'est pas mal. Moi, je trouve que voilà, c'est du 2 étoiles, mais ça permet d'avoir du 2 étoiles premium. Il y a beaucoup de premium, c'est surtout ça qui est intéressant. Et ça permet aussi de monter un peu les premiums. Ce qui fait qu'après, ça permet d'être un peu plus compétitif dans les arènes 2 étoiles. Donc voilà, avec cette arrivée, donc je devais vous faire normalement enfin, tenter un record dans l'arène 2 étoiles. Et avec l'arrivée de ce cristal, bah, je vais repousser ça. Je vais repousser ça après septembre. Je ne sais pas trop quand je le ferai parce que je vais reprendre les cours normalement. Mais du coup, je vais le repousser parce que là, il y a trop de nouveaux 2 étoiles qui me permettront normalement de faire un bien meilleur score. Donc je vais le repousser. Donc voilà, c'est un cristal qui sera du 8 août au 5 septembre. Ensuite, donc le nouveau champion sous les projecteurs qui est CR Nœud Rouge. Encore une erreur de cabane, mais bref, vous avez compris, c'est Crâne Rouge. Il arrive dans les arènes jeudi, enfin aujourd'hui, quoi, ce soir. Ensuite, donc voilà, ils ont donné, comme pour la quête donc, de Deadpool, ils ont donné la clé pour la difficulté maître. Donc vous n'êtes pas obligé de faire héroïque à 100% pour faire maître. Bon, enfin bon, faites toutes les quêtes, ce sera plus simple. Ensuite, ils ont fait un pack de cristaux d'or disponible maintenant. Donc pour 300 unités, vous avez 15 cristaux d'or plus grands et 100 000 or. Alors voilà, en vrai, si vous êtes en manque d'or, vraiment, je trouve que c'est un peu rentable dans le sens où les cristaux d'or plus grands de mémoire, c'est du 4000 d'or au minimum, un truc dans le genre. Bon, vous pouvez le voir ça normalement dans les stats, hein. C'est marqué dessus si vous allez dans vos cristaux. C'est un truc du genre 4000 d'or, ça coûte 15 unités. 20 unités, pardon, je crois. Non, attendez. Ouais, si, c'est 20 unités, je crois. Donc en gros, 15 cristaux d'or. Fois 20, ça fait 300 unités, mais en plus, vous avez 100 000 d'or. Donc en gros, ça vous fait 4000, enfin 100 000 d'or en plus, sachant qu'avec 15 cristaux, normalement, vous faites 60 000. Donc en gros, vous faites un rendement avec ce pack de un peu plus de 100, 100, 120%, quoi. Donc voilà. Après, évidemment, c'est seulement si vous êtes en manque d'or, parce que sinon, il n'y a pas un grand intérêt d'acheter des cristaux d'or. Sinon, après, voilà, ce que vous pourriez faire, c'est les acheter et les ouvrir plus tard. Tout simplement lorsqu'il y aura comment ça s'appelle, des sortes de semaines où il y a des bonus d'or. Voilà, vous attendez d'avoir les bonus, enfin les semaines où il y a des bonus d'or et vous ouvrez là. Donc si par exemple il y a 50% d'or en plus, bah, en ouvrant les cristaux vous avez 50% d'or en plus. Donc voilà, c'est une manière de rentabiliser ces cristaux. Moi en tout cas j'économise mes cristaux pour des semaines comme ça, c'est hyper rare. Mais de toute façon si vous n'êtes pas vraiment en gros 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 manque d'or, ça sert à rien de les ouvrir maintenant. Mince. Donc hop. Ensuite, ça, c'est je pense, mais la plus grosse arnaque. Je sais pas comment ils font pour imaginer ça, mais ils vous le mettent comme si c'était le truc le plus géant qui n'ait jamais existé dans leur putain de jeu. Donc je m'explique. Maintenant, vous pourrez vendre, enfin vous pouvez déjà les vendre, mais vous pouvez vendre vos cristaux
4 étoiles de classe, pardon, vos cristaux 4 étoiles basiques, et normalement vous aviez que de l'or. Ou même peut-être pas, je sais même plus si on pouvait les vendre. Mais bref, je sais plus si on pouvait les vendre, mais voilà, en tout cas, la nouveauté c'est qu'on peut vendre les cristaux 4 étoiles basiques, et on aura de l'or et des fragments de cristaux 5 étoiles. C'est plutôt cool a priori. Cependant, de mémoire, j'ai cru, donc j'ai un gars de mon alliance qui est allé voir, on gagne je crois 225 fragments 5 étoiles. Ah! Donc du coup, pour faire un 5 étoiles complet, c'est 45 000, je crois. Bah, je vous laisse faire le calcul. 200, on va arrondir à 200. 200 fois 5 fois 45. Donc 5 fois 45, bah, il faudrait 180 cristaux. Il faudrait 180 cristaux pour que... Enfin, 180, pardon, catalyseur basique 4 étoiles pour vous faire un 5 étoiles. Autant vous dire que c'est pourri. Enfin bref, ça c'est mon avis. Après, vous faites ce que vous voulez. Si à un moment vous avez trop de cata basique 4 étoiles, bah ouais, ça vaut entre guillemets le coup de les vendre. Vous avez des fragments 5, quoi. Et ensuite, la plus grosse arnaque du siècle, quoique ça pourra en satisfaire certains, vous pourrez échanger 3 catas de classe d'une même classe. Donc par exemple, 3 catas cosmiques. Et ça vous donnera, donc ce sera des cristaux spéciaux qui seront dans la boutique, ça vous donnera un cata de classe. Autre que cosmique. Donc 3 contre 1. On va pas se mentir, autant monter un 4R5 plutôt que d'utiliser un 3 kata pour en avoir qu'un. Enfin ça après c'est mon avis. Encore si vous pouviez choisir. Si vous pouviez choisir. Ouais, je pense que ça pourrait le faire pour certaines personnes. Je sais que par exemple la chef de mon alliance a quoi? Elle a une ouais, 12. Alors, elle a 12 actuellement kata virtuose dans sa réserve. Enfin, 12 kata virtuose plus 4 kata virtuose dans sa réserve. Donc, je pense qu'elle ouais, elle aurait bien aimé. Enfin, elle va les échanger deux ou trois fois, donc pour en enlever 6 ou 9. Cependant, elle va gagner du coup des kata de classe haute que virtuose, mais elle n'aura pas forcément ce qu'elle veut. Donc, c'est juste ça qui me pose problème, c'est le fait de ne pas pouvoir choisir. Si encore on pouvait choisir, je pense que ouais. Il y aurait moyen que ce soit, bon, c'est pas rentable, mais il y a moyen que ça puisse quand même dépanner. Mais comme on peut pas choisir, je pense que c'est vraiment pas ouf, quoi. C'est de la merde. Franchement, perdez pas 3 katas de classe pour en gagner qu'un, quoi. Enfin, en gros, vous perdez 2 katas de classe, vous en perdez pas 3. Mais autant monter un 4R5 ou un 5R3, peut-être qu'il est un peu pourri, mais 5R3, ça fait toujours plus de points en arène. Enfin bref, ça c'est mon avis. Et je vous conseille pas du coup de faire ces échanges. Mais bon, maintenant, si par exemple vous êtes en gros surplus, je sais que par exemple il y a des gros joueurs qui ont toujours 12 katas de classe, et il y a une classe peut-être où ils viennent de monter un 5R5 ou un 5R4, ils ont forcément beaucoup moins de katas de cette classe. S'ils veulent monter un autre 5R4 ou un autre 5R5 de la même classe, parce que bah, voilà, c'est une classe avec laquelle ils ont des gros persos, bah voilà, ça peut leur être utile. Néanmoins. Bon, je pense pas que ce soit la plus grosse, le truc le plus ouf qu'on ait vu dans Kabam, quoi. Enfin bref. Ensuite, bon, il y a les cartes de pack de catalyseurs, mais je crois que c'est tout. 4 packs de catalyseurs, dernière journée pour les 10, voici le pack d'échantillons. Ok. Alors normalement, voilà, c'est tout pour les nouvelles choses donc pour ce mois. Normalement, je crois pas qu'il y ait des événements spéciaux autres que ceux qui sont déjà arrivés. Et donc celui qui va arriver en arène. Pour ceux qui ne voient toujours pas, enfin, après mon explication, qui ne savent toujours pas de quoi je parlais quand je parlais des cristaux 1v1, c'est tout simplement des arènes 1v1, pardon. C'est le 1v1, le combat rapide à gauche. Donc tout simplement, c'est vous choisissez un perso et vous faites un combat rapide dedans. Donc ça n'a rien à voir avec les arènes 3v3, il n'y a pas de classement, c'est vraiment un truc solo. Donc voilà, c'est là-dedans que vous pourrez récupérer le cristal. Donc je ne sais plus comment il s'appelle, qui permet d'avoir des 2 étoiles uniquement. Et donc ce sera du 8 août au je sais pas combien septembre. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura un peu plus éclairé. Si vous avez des questions, de toute façon, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et si jamais vraiment il y a une nouvelle chose qui arrive pour le mois et dont je n'ai pas parlé et qui peut être vraiment utile d'être expliqué. Bon, je ferai une vidéo, même si c'est bon un peu débile de faire 2 vidéos pour faire des explications. Mais voilà, si vraiment ça pose problème, je referai une vidéo. Mais de toute façon, voilà, n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. N'oubliez pas de m'ajouter sur Line si vous voulez parler en privé, tout simplement. Et si vous voulez rejoindre le groupe communautaire de ma chaîne,
Tout simplement, c'est un groupe où mes abonnés peuvent parler entre eux et me poser des questions pour faire partager aussi les réponses aux autres abonnés, et où je publie à chaque fois quand je vais faire quand je publie une vidéo et lorsque je vais faire un live. Enfin bon, les lives pour l'instant, c'est pas encore prévu. Je trouve pas d'application qui marche avec Mako et avec ma tablette. Donc je commence un peu à désespérer. Je vais essayer de rebidouiller l'ancienne pour trouver le problème de l'ancienne, pourquoi ça a bugué, mais bref. De toute façon, vous verrez bien quand je referai des lives. Voilà, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée, enfin plutôt bonne journée. Je suis pas sûr que vous voyez ça maintenant, à part si vous êtes québécois. Mais si vous êtes français, vous êtes probablement en train de dormir. Donc vous verrez ça sans doute demain, enfin aujourd'hui, mais plus tard. Donc voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée ou bonne soirée, tout est relatif. Et je vous donne rendez-vous à plus tard pour de nouvelles vidéos. Allez, salut tout le monde!